Combien de fois tu t'es dit que t'aimais pas ta vie en espérant être heureux un jour, sans savoir ceci dit quelles étaient tes envies, tes désirs, tes passions de toujours. S'il est bien plus facile de blâmer ses voisins, ses parents, ses enfants, son conjoint, il est plus difficile de savoir ce qu'on veut pour pouvoir un beau jour être heureux. Arrête un peu de faire ta victime et cherche-toi donc une vocation. Essaye d'avoir l'air plus crédible quand tu prends les gens pour des cons. Essaye d'écrire un truc solide qui puisse te faire gagner des ronds. Arrête de mater les replays, lâche un peu Angry Bird, prends ton PC et ouvre un web. Parfois tard le soir, quand tu es fatigué, t'as l'impression d'être un tocard. Et bien qu'importe, tu réalises blafard que t'as rien fait de ta vie. Si devant le miroir, avant d'aller te coucher, tu t'insultes de gros larmes. Mais qu'au lieu d'essayer d'arrêter les déboires, tu procrastines devant la télé. Arrête un peu de faire ta victime et trouve-toi donc une bonne idée. Va donc tourner ton propre film avant de dire que les autres sont mal joués. Un truc solide qui puisse te faire gagner du blé. Arrête de mater les replays, lâche un peu Angry Bird, prends ton PC et ouvre un Word. Tes passions de toujours. S'il est bien plus facile de blâmer ses voisins, ses parents, ses enfants, son conjoint, il est plus difficile de savoir ce qu'on veut pour pouvoir un beau jour être heureux. Arrête un peu.